Et voilà, on y retourne avec un jeu LJN sorti en 93, donc un an après. Un an après, donc la vache à lait Le continue. King of the... Déjà, rien que le logo, tu vois que c'est pas beau. Pourtant, c'est qu'un logo, c'est sur NES, mais c'est moche pour de la NES déjà. Donc, on va y aller avec les modes de joueurs. On va se refaire un 1 contre 1 pour commencer. Vous voyez ce personnage. Et même les illustrations des personnages, on dirait un gamin de 4 ans qui a fait l'illustration. Ah oui, là c'est. C'est moche. C'est Lex Luger, oui, voilà. Ah, Shawn Sur Michael. Michael, Shawn regardez. Michael a une tête d'extraterrestre. On dirait un lézard. Hein. C'est assez bizarre. Bon, Mister Perfect a l'air tout à fait heureux de lutter, d'être à sa place. Oh là, Ah, Razor Ramon, c'est patibulaire. Razor Ramon, là, sincèrement, c'est. Oui, c'est patibulaire. Ouais, tout. Et assez... Ah, Macho Bon, Man. c'est un caisse Un qui est hibou. presque bien fait par rapport aux Non, moi autres. je trouve qu'il a une tête d'hibou là. Voilà, c'est Yokozuna là. Visiblement, je sais pas ce qui est. Oh là 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 là. Ah, Hulk Hogan, c'est le patriarche là. On voit, c'est. Il y a. Ah, l'Undertaker. C'est Bam Bam Qu'est-ce Bigelow qu'il a ça. sur la tête? Ah, bah, visiblement, les cheveux ont repoussé. Et ça, c'est nous Et donc. nous. Donc on incarne un personnage qui a un point d'interrogation comme visage. Voilà, on a fait le tour. J'ai même pas qui, j'ai même pas envie de jouer. Bon allez, je vais prendre Perfect. Oui, bon. Hommage à Kurt Hennig. Je te laisse choisir ton amas de pixels, car je vais pas appeler ça un personnage. J'aime beaucoup Macho Man, mais là je vais pas. Je vais lui faire injure si je le prenais. Donc, on va prendre Razor Ramon, vous voyez là. Là. Alors là, c'est du lourd. Donc, C'est la première fois que je vois ce jeu. c'est vrai que t'as jamais vu le jeu. Moi, je l'ai testé il y a pas longtemps. Je vois que Scott Norton a mis la perruque blonde. Et au niveau du public, ça ne bouge même plus. Ils ont même pas fait chier à faire bouger le public. Il est bleu. Tout le monde est bleu sur un fond noir. Là, c'est vraiment, j'avoue. Ton personnage, on croirait Mike Awesome, mais pas Razor Ramon. Je suis désolé. Ah non, là, c'est sûr que. Et regardez les attaques. Regardez les coups de pied. On dirait un coup de pied de grand-mère estropiée. Tiens! Et ça reprend exactement le même principe que le jeu qu'on a testé précédemment, c'est-à-dire des coups de pied et des enfourchements. Y'a que ça. C'est absolument. Et là, ils sont pas fait chier à faire des intros et des trucs comme ça. T'attaques le jeu et il est mauvais. Il est mauvais. Regardez, tout est bleu à part les personnages. Donc là, encore une fois, c'est pas de l'Atari, mais presque. Oui, c'est ça Il y devient. a trois coups, trois, Ça quatre devient de couleurs. l'Atari, là, j'ai l'impression. Et là, on est en 93. C'est vraiment très très grave. On est en 1993. La Super Nintendo va sortir. Ouais, non, et est sortie même. Alors, je pense qu'à mon avis, il voulait vraiment tuer la NES, là, sur ce coup-là. Donc, je sais pas, les développeurs d'LJN devaient avoir quoi, 8 ou 12 ans pour programmer des jeux comme ça. Oui, c'est à peu près ça. Bon, bien sûr, il n'y a pas d'attaque spéciale, il n'y a pas de finishing move. C'est raide au niveau des contrôles. Je sais pas quoi dire. Regardez les chutes, c'est mal fait, c'est mal scripté. Et en plus, on parle pas qu'à l'époque, un jeu coûtait je ne sais pas combien. T'achetais ça 400, 500 balles. Ah bah là, Pour remettre vraiment. dans le contexte, 500 balles c'est quoi? C'est 80 euros, 70, 80 euros pour acheter un jeu comme ça. Donc oui, on peut sortir du ring. On atterrit bien sûr sur un fond bleu, vu Vais vous rejoindre d'ailleurs. que tout est bleu. Et voilà, c'est C'est vraiment. compliqué. Oui. Faut faire une combinaison de touches pour pouvoir courir. Donc voilà, on vous a montré à peu près tous les mouvements du jeu. Voilà, le coup de boule et l'enfourchement. Mais Voilà. enfin, moi je le trouve moins mauvais que l'autre. Hein. C'est peut-être les graphismes qui Ouais, voilà, sont. c'est parce que les graphismes sont un peu plus gros. Mais le gameplay elle-même, graphiquement, c'est aussi moche. On se croirait derrière sur l'émission Le Mur, là. C'est assez bizarre. C'est horrible. Donc pareil, on va pas s'attarder parce qu'il n'y a rien à dire sur un jeu comme ça. Oui, je crois que. Pour moi, Moi je vais c'est... rester couché et puis vous allez sortir. Voilà, c'est. Regardez le tombé, c'est moche. Et c'est long. 2. Voilà, une victoire de Mister Quelle Perfect. intensité au combat. Bon, Et sur la ce... musique Ouais. qui retentit de Mister Donc Perfect. ça, c'est un truc qu'ils ont gardé au fur et à mesure quand même des jeux, c'est ils ont gardé les musiques, mais voilà. Pour moi, ça vaut 4 aussi. 4. Oh, je vais lui mettre un petit 5. Un petit 5 pour toi. Oui, ça remonte un peu la moyenne, mais bon, pas de quoi pavoiser en tout cas. Non, c'est horrible, c'est vraiment C'est horrible. horrible. Donc là, au niveau des jeunesses, me semble-t-il que nous avons fait le tour. Donc on va attaquer une longue, longue traversée du désert en 16 bits. Tout à fait, donc des jeux Mega Drive et Super Nintendo. Et Super Nintendo. On vous dit à tout de suite. Voilà, donc les supports changent, on change de console, nous ne sommes plus sur la NES mais sur la Super NES.
Et ah malheureusement... non, pas ce logo. Et oui, malheureusement, LJN revient. Visiblement, comme je vous ai dit, une traversée du désert qui durera pendant plusieurs consoles. Donc là, on est en 91. 91, donc LJN est en pleine gloire de jeux vidéo, comme on peut dire. Donc 91, c'est le début de la Super Nintendo. Oui. C'est le début de la Super Nintendo, le premier jeu de catch 16 bits qu'on ait eu. Voilà, c'est encore Hulk Hogan qui est la vedette. Il était vers la fin, là. Hein. Ouais, il commençait à toucher... Oui. Donc là, bon, ils ont fait un petit fond sympa. On voit la ceinture, la WWF. C'est un petit fond qui est sympathique. C'est mieux qu'un fond noir. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est la ceinture par équipe. Non, le faucon, je crois que c'est celle. Ah, c'est oui. C'est le championnat ultime. Donc là, au niveau des personnages, Macho Man, le Taker, le Snake, Hogan, comme sur les opus précédents. Hawk, Earthquake, qui fait son apparition. Oui. Typhoon, Animal, donc c'est Natural Disaster et les Gene of Doom. DiBiase et Sid Justice. Sid Justice, oui. Donc peu de persos ce coup-là. Ça en fait quoi? Ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 persos, donc... Sachant qu'on avait déjà 10 sur NES. Donc on ne gagne pas au change. On peut penser que le graphique sauvera l'affaire. Et c'est pareil sur NES, on pouvait dire ouais, j'ai pris Dogan parce qu'il est plus fort et tout ça. Là, tous les persos sont pareils. Ils sont pareils, ils ont les mêmes mouvements, donc ça sera aussi bizarre. Donc, moi, je vais prendre le Shockmaster. Ah, Shockmaster. Notre fameux Shockmaster, donc... Que faire? J'ai l'embarras du choix, je pense que je vais prendre... Bah là on a plus l'embarras que le choix dans le jeu là en fait. Donc allez, pour changer je vais prendre un nouveau qui cite justice. Là ils vont reprendre le système d'annonce. Ça reste une bonne chose. Et pareil, les images des personnages sont mieux faites que ce qu'on a vu avant. Là c'est les images des vignettes de promo. Hein. Exactement, qu'ils ont repris. Voilà, toujours la présentation. Alors là, au niveau des commentateurs, on reconnaît Vince McMahon, non? Ou... Non, c'est pas Vince McMahon. Non, mais on a Bobby Heenan à gauche. C'est Bobby Heenan, c'est peut-être Gorilla Monsoon là. Peut-être. Enfin bref, c'est... Bon, au niveau des designs des personnages, c'est passable. Oui, je dirais que Typhoon ressemble plus au chanteur Carlos là. Effectivement, toi Sid, bon, on le reconnaît légèrement. Oui. Mais bon, graphiquement, c'est pas là où le jeu est le pire. Oui, là, graphiquement, oui. Je dirais la foule me fait assez triper, là. Hein. Ils ont tous la même tête. Là encore, c'est une foule qui est pas démente, mais on a vu pire aussi dans les opus précédents. Donc, voilà. Ah, vous voyez, cette projection, là, c'est vraiment... C'est sorti de nulle part. Non, mais au moins, c'est réactif. C'est des choses qu'on n'avait pas sur les autres jeux. Par contre, pour remonter... Sur les côtés uniquement, ça, c'est un truc qui est resté longtemps. Voilà. Enfin bon, ça reste quand même assez mauvais. Et voyez, un truc qui jamais ne se verra, c'est un dropkick de Typhoon. Oui. Car dans ce jeu-là, tout le monde peut faire des dropkicks. Bah, tout le monde a les mêmes coups de toute façon. Voilà, donc Sid a fait son dropkick. Voilà, donc... Earthquake aurait pu faire son dropkick. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Tout le monde a la même panel enseigne de coups. Et donc au niveau du gameplay, ça se rapproche un peu de ce qu'on a vu sur les épisodes NES de Steel Cage et de King of the Ring. C'est des coups. Il y a très peu de prises, c'est assez dur de les mettre en route d'ailleurs. Donc là on est passé de quoi? De deux mouvements sur les opus précédents. Ici il y a peut-être 4 ou 5. Oui. À peu près 4 ou 5 mouvements. À peu près, oui. Mais aucun mouvement propre au personnage. Ouais, ça reste mauvais de toute façon. Ça reste assez mauvais. L'avantage c'est que c'est un peu plus maniable je trouve quand même. Oui, c'est un peu plus maniable, mais bon, c'est pas l'extase, hein. C'est vraiment... Non. C'est bourrin à mort, c'est... Quand on voit maintenant que toutes les panoplies qu'on a au niveau des coups et la facilité de les sortir, là, c'est... Ouais, vraiment... mais ça, regarde, il n'y a même pas besoin d'attendre les jeux qu'on a actuellement. Je veux dire, Tecmo Pro Wrestling avait déjà ce principe-là, oui, qui a été peu repris. Donc, ce qui veut dire qu'il y a quand même une régression, là. Bah, du moment où on tape sur du LJN, il y a forcément une régression. Enfin, ce qui est déplorable, c'est qu'ils ont quand même usé et abusé de la licence... Et évidemment, bah, les vaches à lait que nous étions, on en achetait un sur deux. C'était déjà trop. Eh oui, c'était déjà trop. Hein. Donc là, je sais pas si vous l'avez vu, j'ai essayé de le refaire, je me suis assommé moi-même. Voilà. Quand on court contre les coins. Voilà, donc j'ai décidé de faire la même chose. Voilà, on roule. C'est assez amusant. Non, mais en fait, ils nous ont fait une blague. C'est un jeu comique qu'ils ont voulu exactement, faire. Exactement. Et là, c'est réussi. Ah oui, c'est vraiment réussi. Hein, c'est réussi. Mais je sais pas si ça fait rire ou pleurer hein, quand on a autant d'argent dans des jeux comme ça. Et donc là, voilà, on va vous montrer peut-être 3-4 minutes du jeu, mais vous aurez vu tout le jeu. Que ça soit au niveau du coup, du roster et de tout ça, vous avez tout vu.
C'est assez aberrant à entendre, mais c'est la triste réalité. C'est Donc voilà, des coups de poing, des coups de poing. aucun plaisir. Non, encore une fois. Donc il Donc va être voilà, temps le de donner slam. une note, je pense, là. Parce que là, c'est vite fait. Je pense que les modes de jeu sont identiques. Enfin, il y en a, c'est sans intérêt, en fait. Bah, j'avais mis 4 sur 5 au précédent qui était naze. Celui-là était un tout petit peu mieux. Je montrais à 6. Je mets 6 aussi. 6 sur 20. Ça vaut pas plus. Non, pas plus. Parce qu'il y a, encore une fois, là, il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de contenant, y a rien autour. C'est vide de A à Z. Vous avez votre jeu WWF et vous êtes content, voilà, vous avez payé. Et non. Donc on va peut-être s'arrêter, on va passer au suivant. Donc nous voilà un an après sur Sega Mega Drive. Donc toujours développé par LJN, les fameux LJN. Mais dites donc, c'est Flying Age! Non, j'ai Un dit, espoir! autant pour moi, je n'ai pas LJN, c'est Flying Edge. Un espoir, on revit! On revit et on revit la même scène que tout à l'heure. Ah bah oui, là c'est malheureux! La même présentation. Ah là, ils nous ont mis deux ceintures sur Deux Mega Drive. ceintures, oui, donc. D'ailleurs, on reconnaît bien le son en Mega Drive. Ah oui, là c'est vraiment Ce le son son. qui fait mal aux oreilles. Donc, un petit mode. On va peut-être montrer directement le mode Survivor Series. Le mode Survivor Series, de toute façon, ça reste un peu le même principe. Par contre, là, on a un roster différent. Oui. C'est le même jeu, entre guillemets, mais voilà, le développeur a changé, les lutteurs aussi. Donc, on voit des nouveautés comme Shawn Michaels, comme le British Bulldog, d'ailleurs, quand et j'y Papa pense, Shango. c'était le même seul intérêt qu'on avait acheté ce jeu-là, c'est d'avoir un autre roster. Voilà, mais roster plus limité, vu que là, on est passé à 8 personnages. Même présentation, public encore plus laid. Ouais, public encore plus moche. Donc là, on a pris un mode Survivor Series qu'il faudra faire, donc ça batte les 4 adversaires pour gagner le match. Alors, au risque d'insister, on a encore des rouquins au niveau du public, hein. C'est vrai, c'est vrai. Mais bizarrement, je le trouve au niveau des la fluidité meilleure que sur Super Nintendo. Je le trouve peut-être un peu plus fluide au niveau des mouvements, mais après, la maniabilité reste toujours aussi. C'est la même. Les coups sont les mêmes, voilà, coup de tête, enfourchement, coup de pied, coup de poing. Alors, il y a une particularité, c'est autant sur les versions, sur la version Super NES, nous n'avons pas les prises de finition, là, nous l'avons. Nous avons des prises de finition. Mais. Alors, je crois que sur l'Ultimatorium, il y avait deux touches à appuyer en même temps. Oui, en fait, mais je ne sais plus trop lesquelles. on a des prises de finition, mais mon avis, c'est infaisable. Donc là, je t'ai éjecté du ring. Là, contrairement à Pro Wrestling, où la technique, on ne peut pas sortir en sautant sur l'adversaire. Ah, je viens de voir un anglais volant là. Donc là, j'ai sauté dans le Bien vide. tenté, et voilà, la descente du coude. Et pareil pour faire le relais. C'est sur les autres jeux, c'était simple. C'était une pression sur le bouton B. Là, j'essaye tout. C'est vraiment pas intuitif. Hein. Non. Soit il monte, C'est raide. ou soit il descend du ring. Ah, alors il faut appuyer sur deux boutons. Ce qui est très logique. Oui. Deux boutons pour changer de personnage. Oh là là, mais. Tu vas changer. Ah voilà, enfin. Eh oui, un pétage de plomb en direct. Nous ne sommes pas sur le joueur du grenier, mais nous sommes donc sur testeur. Donc voilà, les mêmes coups pour Macho Man, les mêmes coups pour Hulk Hogan. Donc on est sur la même lignée de jeu qu'on avait précédemment sur Voilà, c'est LJN. toujours aussi épouvantable. Donc je serais tenté de dire LJN, Flying Edge, les mêmes combats. Eh oui, on pensait s'en sortir Non. avec un autre éditeur, mais C'est les mêmes jeux de merde. En fait, LJN s'est camouflé. C'est du il a trompé copier-coller. l'ennemi. Exactement, il a trompé l'acheteur et nous avons acheté ce jeu aussi. Voilà, donc nous sommes contents, nous avons encore un jeu WWF qui ne rime à rien. Et qui est identique au précédent, c'est magnifique. Mais bon, si c'était arrêté là, ça aurait été bon, mais non. Ouais, moi je vous dis ok, je sors et puis je m'en vais. Même support, enfin même jeu. Il n'y a que l'éditeur qui change, la Oui. médiocrité et tout le reste, ça a été conservé. Ouais, donc moi je lui avais mis 7, je garde 7. Et je vais garder. Bah tu vois, non, moi je vais mettre 6 parce que le jeu est sorti un an après. Et pourtant, rien n'a été C'est amélioré. vrai, mais bon, je continuerai sur la même note. Donc toi, tu restes sur un 7, moi je vais Oui, mettre parce 6 parce que que bon. j'y ai joué un petit peu plus que sur la version Super NES, donc voilà, c'est pour ça. D'ailleurs, c'est un mystère. Pourquoi jouer à deux jeux plus à un autre qui sont finalement Parce identiques? que je n'avais que la Mega Drive. Ça se tient. Bon, on va continuer sur les autres jeux qui sont C'est magnifique. magnifiques. C'était le mot Ouais, que je cherchais. Donc là, nous revenons sur la Super Nintendo. Nous revenons sur un jeu LJN. Oui. C'est-à-dire une torture encore. Une torture sortie en 93, donc on est toujours à début des années 80. Mais là, on a une petite intro et ça fait plaisir. Oui. Ça fait Là. plaisir. On voit le roster, on a vu Tatanka, on voit Crush, on va vous les présenter.
On a Ric Flair, le vainqueur de 92. Qui a pris en 93. Shawn Michael. Shawn Michael. Ah, Razor Ramon est un peu mieux fait là. Hein. Yokozuna aussi. Qui avait gagné le Royal Rumble cette année. Ouais. Alors Lex Luger, qui était narcissiste. Tête de Tiassi. Macho Man. Tout un roster là, visiblement. Mister Perfect. L'Undertaker, évidemment. Donc là, pour le moment, on peut penser que le jeu va vraiment être bien. Oui, c'est vrai que là, on est enthousiaste. Là. Ouais, là, on voit ça, on dit, waouh, ouais, c'est vraiment, c'est quelque chose. Beaucoup de personnages chez le Royal Rumble. Waouh. On va vous montrer à quoi ressemble le jeu directement. Donc là, on va revoir les mêmes personnages. Et là, chose qui est bien, on vous met le spécial move qu'ils ont. Oui. Le spécial move qu'ils ont. Donc là, voilà, Ric Flair, Figure Four, Leg Lock. Le back souplesse qui était de son finish à l'époque, à Shawn Michaels. Donc moi, je vais prendre, tiens, Razor Ramon. Ah, Razor Ramon. On a des musiques en fond. Oui. Alors, qui sont pas mal. Qui sont pas mal. Il y en a qui sont moins réussis. Ouais. Là, on a entendu tout à l'heure le cri de Tatanka qui était un peu bizarre. Donc je te laisse choisir ton personnage. Alors, bah, il y a beaucoup de choix. Hein. On ne sait que choisir. Allez, je vais faire un petit hommage à Monsieur Ric Flair. J'entends te dire. Wouh, wouh. Ric Flair qui est comme d'habitude assez constipé ou quoi. La tête d'enragé qu'ils l'ont ah fait. Ah ouais, là c'est... c'est... Et là c'est la surprise. Eh ben non, on revient avec les mêmes et on recommence. C'est peut-être un peu plus fin au niveau des graphismes des bonhommes. Oui, et... le public est un peu mieux fait. Ouais, donc là il y a une légère amélioration au niveau graphisme. Mais vous voyez, ça reste le même. Mais après, niveau gameplay, ça reste pareil. C'est-à-dire des coups de pied, des coups de poing, un slam et un dropkick. Voilà. C'est, ça se limite à ça. Et faut le dire quand même, une prise de finition. Une prise de finition. Alors je les ai jamais vues, personnellement. J'ai jamais réussi à en sortir une seule. Il me semble avoir vu une vidéo comme ça, promotionnelle, voilà. où les lutteurs expliquaient leur prise de finition. Et c'était A, R, plus B, plus C, plus A. Donc c'est donc, infaisable. Combinaison à la Mortal Kombat sur un jeu de catch. Donc voilà, niveau gameplay, que dire. Si on peut dire une petite chose, c'est qu'en descendant un peu, on voit une chaise qui est en bas du ring qui sont utilisables. Ah, c'était l'ancêtre du hardcore. Ouais, donc là c'est un petit point qu'ils ont rajouté. Voilà, donc on a un jeu mis à jour. Un jeu mis à jour, oui. Par rapport aux autres, voilà, c'est la seule mise à jour, c'est qu'on peut servir des chaises. C'est toujours la WWF, c'est pas l'ECW là. Non, c'est bien la WWF. Le public, un peu mieux fait. Un peu mieux fait, oui, mais bon. Ça, c'est moche, mais bon, c'est mieux fait quand même. On reconnaît bien les t-shirts Hulk Hogan derrière. Ouais. Donc le jeu a été légèrement amélioré et surtout ce qui change c'est le mode Royal Rumble et ça on va le voir tout. Donc voilà, donc là Mister Perfect qui va être dans le Royal Rumble. A noter qu'il y a un choix de difficulté pour le Royal Rumble. Oui, c'est un choix de difficulté qui va de 1 je crois jusqu'à 10. Ça change pas grand chose parce que c'est parfaitement injouable et c'est... Enfin, voilà. Donc Mister Perfect débute, on voit que Jack le Snake Roberts est là aussi. Mais non, c'est le Macho Man. Ah oui, c'est le Macho Man, j'ai pas mis mes lunettes. C'est le Macho Man. Ah oui, mais c'est tellement bien fait, en plus il n'y a pas le nom. Non, il n'y a pas le nom. Donc voilà, petite différence aussi par rapport au niveau du gameplay, c'est que quand on chope un adversaire, il y a une espèce de jauge qui se met en route, et il faut appuyer sur tous les boutons le plus vite possible. Ce qui fait que c'est très dur à réaliser la prise qu'on souhaite, vu qu'on doit appuyer sur tous les boutons. En tout cas, le Royal Rumble, voilà, on a le maximum de lutteurs, on a vu qu'ils sont arrivés en moins de même pas une minute. Ah c'est vrai, en moins d'une minute tout le monde est là. Donc voilà, vous pouvez regarder comment on joue l'ordinateur, il y a peu de prises différentes, je veux dire même quand on est un CPU, voilà, c'est les mêmes prises. Une souplesse. Un dropkick. C'est vrai qu'on dirait qu'ils ont tous le moveset de Lex Luger, ces lutteurs, et encore sans saut chassé. Donc voilà, le but donc du Royal Rumble, c'est de projeter ses adversaires par-dessus la troisième corde. Et pour ce, il faut être proche des cordes. Oui. Là, on peut pas soulever son adversaire ou le projeter en le lançant. Non, faut être proche des cordes et lui faire une espèce de tour de bras comme ça. Premier jeu où je vois un personnage fatigué, enfin sur la 16 bits. Hein. Ouais, plus on prend de coups, plus son personnage après reste inactif et immobile. Mais bon, j'aime pas trop le principe parce qu'en fait, du moment où t'es mal en point, bah t'es foutu. Oui. Après, tu vas être fatigué constamment et ton personnage, non. Et je crois que c'est une des conditions pour pouvoir mettre son adversaire hors du ring, c'est qu'il soit fatigué. Là je viens de m'assommer tout seul, je vois pas l'intérêt d'avoir fait ça. Donc voilà, le Royal Rumble en fait ne sauve pas du tout cette licence. Non, c'est un mode de jeu qui est encore plus stressant à jouer car il ne s'en finit jamais.
Pour projeter un adversaire, ça va nous prendre un quart d'heure. Et il faut sortir tout le roster. Tout ça en faisant des coups de poing et des coups de pied. C'est passionnant. Donc voilà, vous voyez, Digassi a éjecté. J'ai pas vu qui c'était, il a éjecté quelqu'un. À vrai dire, je ne sais pas parce que. De toute façon, on les reconnaît pas. On les reconnaît pas, voilà. Ric Flair aussi a acheté quelqu'un. Là, il y a Yokozuna qui arrive. Yokozuna, vous voyez, il est. Il a maigri. Et voilà, le but c'est de d'éjecter tout le monde. C'est vous voyez, on est tout à fait en transe devant ce jeu là, donc on va pas tarder à donner une note parce que. Donc là, c'est quand même le troisième jeu qu'on montre qui est pratiquement calqué l'un sur l'autre. Oui. On a voulu juste montrer pour le principe du Royal Rumble. Et, on... et là encore, c'est un jeu mis à jour. Donc, mis à jour, c'est qu'ils ont rajouté le mode Royal Rumble, mais c'est tout. Il n'y a que ça vraiment en plus. Allez, bon, moi je vais lui donner un petit 8 pour ce mode Royal Rumble, et encore, ça ne sauve pas. Hein. Ah, moi j'aurais été moins méchant, moi je serais monté à 9. À 9 ? 9, car il y a la jauge de force qui a été rajoutée qui est pas mal. Il y a les finishing moves, oui, et il y a un roster impressionnant. Mais ça reste tellement injouable que visiblement toutes ces bonnes attentions elles tombent un peu à l'eau. Elles sont gâchées, comme quoi le gameplay c'est vraiment ce qui compte le plus dans un jeu. Donc 7 pour toi et moi 9. Voilà. J'ai mis 8 hein. T'as mis 8. Non, t'as mis 7 je crois. Bon bref, les spectateurs le verront alors qu'on voit l'arrivée de Bret Hart. Donc on va peut-être passer au jeu suivant. Alors, on va aller sur la concurrence. Avec ce bar. Donc nous voilà maintenant en 1994, donc un jeu développé par FCI. Voilà, toujours un inconnu. Un inconnu qui va faire un jeu donc WCW. Qui était inconnu aussi. Aussi à l'époque, on ne connaissait pas en France la WCW. Donc là pareil, une petite intro gentillette. Oui, gentillette, oui. C'est mieux que rien, c'est une petite intro, ça change. Il faut se souvenir de dernier jeu auquel on a joué en 8 bits qui était complètement mauvais, donc on va voir si WCW s'est rattrapé. Là, ils nous ont mis des images des shows d'époque. Donc là, mode de joueur, et on a le choix soit ensemble contre l'ordinateur ou l'un contre l'autre. On va jouer l'un contre l'autre. On va jouer l'un contre l'autre. Et ben, on a un contre un. On a un contre un. Donc le roster. Alors, player un piece select. Ah, ça c'est un peu, c'est vraiment sympa là. On voit une petite animation des joueurs. C'est assez fun, je trouve. C'est fun. Donc là, par contre, sur un épisode précédent, ils avaient mis le nom sans l'image. Oui. Là, on a l'image sans le nom. Sans le nom. Mais enfin, ils sont assez reconnaissables. Hein. Ouais, du moment que t'es fan de catch, ça va. Donc voilà, on reconnaît Steamboat. Il y a les Steiner. Enfin, il y a les deux Steiner, ce coup-là. Ric Flair, Vader. Il y a celui qu'on appellera Goldust. Dustin Rhodes. Vader, donc voilà, il y a du monde. Je vais prendre monsieur Johnny B. Bad. Donc là, nous faisons la petite bio de voilà, Johnny B. Bad. Et on doit confirmer notre choix. Donc Johnny B. Bad, Marc Mero. Voilà. Donc toi, qui vas-tu prendre? Alors, pour information, ce lutteur-là, c'est Barry Windham. Windham. Windham, oui, ou Barry Windham, oui. Sachant qu'on ne peut pas prendre deux fois le même perso, c'est pour ça que le mien est grisé. Alors, donc, j'ai bien envie de prendre justement celui qui incarnera Goldust, Dustin Rhodes. On le reconnaît mieux là. Ouais, c'est un peu. Il était un peu jeune là. Ah, il était même très jeune, c'est ses premières années pratiquement. C'est parti. Alors là, on change carrément de graphisme. Ouais, graphiquement, c'est un peu un jeu qui est unique en son genre. Et par contre, mon Johnny B. Bad est quand même très noir. Oui, on dirait Ron Simmons. Ouais, on dirait Ron Simmons, tout à fait. Donc, graphiquement, c'est pas le jeu le plus mauvais. Là, encore une fois, ce qui va tout gâcher, ça va être la maniabilité. Déjà, l'animation des personnages est plutôt mauvaise. C'est pas que ça saccade, mais c'est animé sur deux trames. C'est vraiment horrible. Oui, il y a une mauvaise collision, mais. Ouais. C'est pour ça que c'est assez mal fait. Ça, c'est quand même, moi je trouve ça plus intuitif que toute la série qu'on vient de se taper là. C'est. Ah, disons que ça change. Oui, ça change. C'est une alternative. Ce n'est pas. C'est pas bon, c'est pas très très bon. Non, c'est spécial. Disons que c'est vraiment un jeu à part pour moi, c'est que j'arrive pas à lui donner de descriptif. Comme ferait Dustin Rhodes, ce jeu est mauvais. Parce que c'est à la fois mauvais mais spécial à jouer. Bon, ben voilà, il n'y a pas beaucoup de coups aussi. Ça faut dire que la concurrence fait tellement mauvais que là. Donc, on a vu le commentateur avec Bischoff faire des petits. Qui a des commentaires audio. Oui. Qui apparaissent par moment. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc, voilà, on peut sortir du ring. Voilà, quelques moves comme ça. Mais pareil, les moves sont pratiquement les mêmes d'un perso.
d'un perso à l'autre. Oui. Ce qui est un peu dommage. C'est assez curieux de jouer un jeu pareil. Ouais. Mais encore une fois, voilà, c'est pas un super gros jeu. La WCW n'aura vraiment pas eu de jeu extraordinaire. Ah, je crois que le commentateur, c'est plus Tony Schiavone. On voit les deux. Oui, on voit les deux. Ouais, on sent qu'on voit les deux. On voit l'arbitre aussi qui fait des mouvements qui sont pas trop mal faits d'ailleurs. Je crois que c'est lui le mieux animé. Oui, d'ailleurs. Donc, vous voyez, en haut, il y a la barre de force et la barre de point de vie. Donc, bien sûr, ça, c'est une spécialité que je développe, c'est-à-dire le... De sortir du ring. Sortir du ring, j'adore ça. Voilà, je me mets à danser là, vous voyez, la classe. Vous voyez au niveau des mouvements, c'est les collisions sont quand même mal faites. Ouais. T'es collé au personnage. Mais il y avait de l'idée quand même, je trouve. Il y avait de l'idée. C'est pas le pire. Je trouve quand même ces jeux-là meilleurs que les jeux de LJN. Oui, ça, sans aucun doute. C'est plus vivant, c'est plus réactif. Il y a un peu plus de mouvements, pas mal de persos. Bref, c'est quand même supérieur à un jeu LJN. Oh, ça réconcilierait presque avec les jeux de cash. Donc les modes par équipe. Alors là, Vader, là je crois que Vader, à mon avis, il a des problèmes de jambes. Petit souci pour Vader. Il ressemble plus à un bibindome, je sais pas comment dire. Ton Vader ne ressemble strictement à rien. Ouais. Comment greffer les jambes de Sable sur le corps de Monsieur Vader. Donc voilà, le mode par équipe reste à peu près la même chose que le mode à joueur, sauf que là, bien sûr, on peut changer avec son partenaire. Alors. Comment me diriez-vous? Eh ben, je ne sais pas. J'ai jamais trop réussi à en jouant un jeu là à changer de. Avec mon coéquipier, ça doit être une touche, une combinaison. Ah, vous voyez, c'est déjà fini. Mais regardez la vitesse du compte. Eh oui, eh, c'est hallucinant. Hein. Mais match continue car c'est un match à. C'est toujours des matchs à deux rounds vainqueurs en fait. Ça, ils ont gardé ça du premier épisode sur NES. C'est n'importe quoi, mais bon, ils l'ont gardé. Oui, là, c'est vrai que c'est hallucinant quand même, la façon dont... Plus je regarde Vader, plus je rigole. Et regardez mon personnage qui se relève, voilà, enfin. J'ai pris un coup et mon personnage met un quart d'heure à se relever. Combinaison. Ah, je vois qu'il y a une barre de tricherie, cheat. Exactement. On pouvait tricher aussi dans le jeu. C'était un jeu pour Ric Flair, ça. Exactement, c'est une petite originalité qui est pas mal. Donc là, je me fais meuler la tête. Ah, niveau maniabilité, c'est quand même très limite. C'est mieux que la série LJN, mais c'est pas ça. C'est vraiment c'est pas ça. C'est un flot d'idées qui tombe encore à néant. Quoi. Des bonnes choses, des moins bonnes choses. Pour toi, ça vaut combien? Oh, je vais mettre 10. La moyenne, parce que franchement, ça me. Après avoir fait toute une série de LJN, on peut trouver ça que mieux. Ouais, et puis il y a quand même des bonnes idées. 10, je suis assez d'accord, parce que encore là, c'est gâché par une maniabilité très spéciale et des graphismes aussi très spéciaux. Oui, mais j'aime bien la vue du ring. Ouais, ça change. Ah, ça. Vous voyez, on roule encore. C'est vrai que Vader est... Ah ouais, mais voilà, donc ça reste pas beau. Non, ça reste encore très léger. La Super NES est quand même capable de bien, bien mieux, mais voilà, c'est des éditeurs qu'on a un peu rien à foutre, j'ai l'impression. Oui, là, je pense que c'est vraiment... Ils veulent absolument profiter de cette licence et avoir 3 ou 4 kékés qui achètent ce jeu. Voilà, et là ce coup-là n'était pas tombé dans le piège parce qu'on l'avait jamais vu en magasin. Non, mais bon, si je l'avais vu, je pense que je l'aurais pris, hein, je pense, sans mentir. Allez, on va y aller pour la suite. C'est bon. 1994, on arrive sur un nouveau jeu LJN. Donc toujours un jeu qui... On s'attend à voir un jeu pourri. Oui. Au moins c'est bien parce qu'on n'attend rien. Oui, on n'attend rien du tout cette fois-ci. Ah, la belle intro là. L'intro officielle de Fedoro. Monday Nitro, tout à fait. À l'époque, oui. De Monday Nitro avec la vraie musique et tout. Mais bon, voilà, on a vu deux jeux avec des intros vraiment très bien avant. On a eu des jeux pourris, donc encore une fois, je ne m'attends à rien. À rien, donc... Mais bon, on va pas cracher dans la soupe, l'intro... C'est vraiment raw. Est sympa. Donc alors, mode de joueur... Donc c'est là, toujours les mêmes, hein. Il y a visiblement Bedlam et Raw Endurance Match ont été rajoutés. Voilà, mais moi qui suis fan de catch, j'ai jamais entendu d'un mode de jeu, enfin de match qui s'appelait Bedlam. Ça me paraît un peu énigmatique cette. C'est un mélange de bed et de slam, slam des lits peut-être, je ne sais pas. Peut-être, ou sur un lit, je sais pas. Bon, bah, on va se faire un contre un. Voilà, un contre un, on va rester classique. Donc, bro, je crois que c'est là qu'on peut utiliser les chaises et tout ça, il me semble, mais on va se faire un. Oui, on va rester classique. Ah, présentation des personnages assez sympa. Ouais, dans la petite écran avec la musique qui se met en route, voilà, spécial move et tout, donc on va faire un petit tour du roster. Bret Hart, Undertaker, donc là on reste dans du classique.
Yokozuna, on reconnaît un peu sa musique. Ah, Bam Bam Bigelow. Là, c'est anthologique. Le Bam Bam sur Super Nintendo est anthologique. Razor Ramon. Excluder qui est passé en mode American Hero. Oui, l'ancêtre du John Cena. Dunk the Clown. Dunk the Clown. Yes, okay. Dunk the Clown. Donc il fait son entrée dans les jeux de catch. Oui. Shawn Michael. Ah, ton personnage préféré, évidemment. Sans commentaire. Le 1-2-3 Kid. C'est ses débuts. Tout beau, tout lisse, voilà, le 1-2-3 Kid. Ah, musique de... on se croirait, c'est la chasse d'eau, ça. Ouais, c'est pas... Pourtant, c'est pas T.L. Hooper, c'est bien Diesel. C'est Diesel. Ah, Owen Hart. Owen Hart qui fait ses débuts, lui aussi, dans The Jungle Catch, avec sa musique bien connue. Et Luna, ils ont une Vachon. Femme, la et première oui, femme dans les jeux de catch. Eh oui, notre regrettée Luna Vachon. Disparue hier. Eh oui. Donc pour, en parlant de personnages disparus, je vais prendre Owen Hart. Alors, donc, moi, je vais plutôt me diriger... Allez, j'ai un petit faible. J'ai bien envie de prendre le clown. Dunk the Clown. Dunk the Clown. Anthologique. Tu l'aimes bien son bam. Ah bam. Oui, son bam bam digitalisé. Donc Dunk était dans sa période face. Voilà. Donc là on reconnaît le King et Vince McMahon de dos. Ou Jim Ross, non 94, bah ça peut être l'un ou l'autre. Ah oui, je dirais plus c'est Vince McMahon là. Ouais, c'est fort possible. Donc la première chose qui va frapper encore, les graphismes sont les mêmes qu'il y a 2 ans. Voilà, là c'est... Ça reste toujours, on se cogne toujours contre... Là, c'est vraiment un truc de clown que je viens de faire, là. Ouais. C'est quoi, si c'est un peu plus rapide, ah, on oui, peut ouais. garder son... Là, on peut mettre voilà, son adversaire dans le coin. Le jeu est plus rapide, la foule est plus belle. Enfin, plus belle, les murs... Il y a un effet de relief sur la foule. Oui. On sent qu'ils ont voulu faire des efforts, mais ils ont gardé le même système de jeu. Donc voilà, ils font des efforts significatifs tous les 2 ans. Tous les 2 ans, ouais. Encore je dis significatif, mais c'est vraiment pas significatif en fait. C'est des petits efforts que voilà, au niveau du gameplay, bah. À mon avis, les ventes devaient vraiment baisser là. Bon, il y a quand même un peu plus de moves, les animations sont quand même un peu mieux faites. On commence un petit peu à avoir quelque chose de correct. Enfin, de correct au niveau des animations. Parce que... Mais c'est dommage vraiment que le gameplay soit aussi mauvais. Vous voyez, on peut retenir la jambe de son adversaire comme en vrai, j'ai tenté de dire. Donc là encore une fois ça reste identique mais un petit peu supérieur. Un petit peu ouais, vraiment un petit peu. Par contre je suis assez, vous voyez pour faire des ce qui ressemble plus à des prises, genre de prise du sommeil. Donc là je fais une souplesse marteau pilon, vous voyez il y a quand même des moves assez surprenants. Oui, c'est assez bizarre qu'on ait ces genres de mouvements dans cette fédération. Alors quoi, ça a jamais été fait pratiquement des mouvements comme ça, surtout par Owen Hart. Qui avait beaucoup de mouvements mais bon pas celui-là. Voilà, donc voilà, cordialement, il y a quand même plus de moves que sur les précédents. Mais bon, c'est l'intérêt est toujours pareil. On peut-être montrer ce mode de jeu énigmatique. Oui, alors on va découvrir ça avec vous. Alors, on va prendre Yokozuna. Donc, Yokozuna, le sumo venu de Polynésie. Qui est annoncé à 568 livres. Ils ont un petit peu abusé au niveau du poids. Ah, c'est toujours un peu pareil, ils abusent. Donc voilà, donc, un One Fall, Bedlam, Brouhaha. Alors là, c'est vraiment un mode de... Bizarre, en tout cas, là, c'est peut-être de danser, là. Tu me fais une espèce de souplesse corps à corps. Un saut chassé par Yokozuna. Alors, il y a peut-être un truc à l'extérieur à faire, ou non. Ah, voilà, c'est peut-être ça, c'est que voilà, il y a des objets. Ah, c'est du hardcore, en fait. Ouais, ça doit être des objets ou des trucs comme ça. Sachant qu'on peut pas monter dans le ring avec. Ah, donc il faut que je descende. Ouais. Et pour une fois, je ne sais pas sortir du ring. Il faut appuyer, je crois que c'est sur X. Ah voilà. Oui, donc voilà. Donc ah, mais tu remontes instantanément. Ah oui, donc. Ah oui, oui, oui. Voilà, d'accord. À mon avis, ça doit être ça le mode de jeu, ça qu'on peut se servir. Ouais, donc voilà, le move qu'il a fait, Owen Hart faisait le même move tout à l'heure. Donc je pense qu'il y a des mêmes mouvements pour chaque personnage. Voilà, donc je peux même plus rentrer, voilà. Donc. C'est un match de clown là. Et pourtant, Dunk n'est plus là. Mais bon, ils ont fait un petit effort, on peut se servir de 2-3 objets extérieurs. On y va au compte-gouttes finalement. Le jeu est rapide, les personnages sont un peu plus reconnaissables. Donc, pour toi, ça vaut combien? On va rester sur... Allez,
On va lui mettre tout juste la moyenne. On va lui mettre 10. Tu mets 10 comme le précédent? Oui. Moi je monterais à 11 quand même. Moi je monterais à 11 avec des petits efforts qui commencent à être faits. Oui, mais je sens qu'il se fatigue pas quand même. Hein. C'est vraiment ah non, par contre, good. Non. C'est vraiment. C'est pas encore de bon niveau. Et... Donc nous allons passer au prochain. Donc nous voilà passés sur Mega Drive, ça je vous expliquerai pourquoi. Donc pour un jeu Acclaim ce coup-là. Acclaim, oui, qui se lançait dans les jeux. Ouais, sorti en 95, donc on arrive par contre sur la fin de vie des jeux 16 bits. Voilà, donc la PlayStation arrivait. Qui dit Acclaim dit évidemment Mortal Kombat. Voilà. On va vous expliquer. Voilà pourquoi j'ai choisi la version Mega Drive, c'est qu'il y a des personnages en plus. Voilà, là, donc il y a 8 persos, il n'y en a que 6 sur la version Super Nintendo. C'est Byzance alors sur Mega Drive. Tout à fait, donc là faut que t'appuies Start pour pouvoir me rejoindre. Chose qui va être faite. Vous voyez, au niveau du roster, on reste sur la même chose que Monday Nitro qu'on a vu, mais avec moins de perso. Avec moins de perso. Donc, allez, Shawn Michael. On va refaire un classique de 94. Alors, soit en face à face ou en coopératif. Ou en équipe, voilà, c'est un coopératif, c'est un match en équipe. Ah, les petits logos, j'aimais bien ces petits logos là. Ouais. Donc là, graphiquement, on a des personnages digitalisés, comme tu l'as dit, un peu à la Mortal Kombat. Voilà, donc c'était l'époque de Mortal Kombat, donc. Et par contre, là, au niveau du gameplay, c'est totalement de l'arcade, donc c'est-à-dire des coups magiques. Voilà, le personnage met des espèces de coups de bâton, on a l'Undertaker qui envoyait des ombres. Ouais. Donc là, c'est de l'arcade, c'est du fun. C'est du fun, mais j'ai tendance à dire que c'est un peu n'importe quoi. Ouais, ce niveau. Si on est vraiment fan de cage de simulation, ça semble n'importe quoi, mais je trouve ça sympa à jouer. C'est sympa, mais c'est n'importe quoi, c'est vrai que. Donc là, on pouvait faire des combos et tout, je m'en rappelle. C'était fun, c'est. Il y avait un bouton de garde aussi, qu'il n'y avait pas sur les autres jeux. Et on pouvait enchaîner des combos, prendre l'adversaire, le frapper dans tous les sens. Et là, on couvre son adversaire, mais il n'y avait pas de compte 2-3. Non, c'était direct. C'était du chaos. Ça reste vraiment très arcade. Ouais, le jeu était sorti, je crois que c'est ce seul catch qui était sorti sur arcade à ce moment-là. Là, tu m'as éjecté. Et là, vous voyez, j'ai une petite jauge combo et aussi qui sont apparus, ce qui veut dire qu'on peut déclencher notre combo. Bon, après, il faut le connaître. Oui. Là, c'est une autre histoire. Chose que je ne connais pas, je pourrais pas mentir. Et voilà. Là, tu as refait un Frankensteiner. Et donc le deuxième tombé, c'est pour moi, c'est en trois tombées en fait. Voilà, ça ils ont gardé ça, ils ont pris le principe de WCW. Et voilà, quand je t'ai frappé, des cœurs qui sont sortis de ton corps. Et toi, c'est des rasoirs, il me semble. Ouais, j'avais une barre de recovery qu'il faut que je fasse augmenter en appuyant sur les boutons. Donc voilà, ça c'est un jeu qui se laisse jouer facilement car fun. Voilà, donc j'essaye de reprendre mes esprits. Par contre, voilà, qu'on se mette d'accord, il n'y a pas de technique. Aucune. Il n'y a pas de technique. C'est du bourrin, c'est. Donc là, tu m'as battu. Je vais improuver pour la forme. Voilà, donc on finira sur une victoire donc de Riegel. C'est incroyable. Hein. Donc nous voilà, donc là, on va attaquer donc le mode solo. Allez. Quel personnage veux-tu que je prenne? Je te laisse choisir mon personnage. Oh bah, moi je vois bien Bret Hart. Allez, voix digitalisée de Vince. Donc là on choisit soit de concourir pour la section intercontinentale ou la section World Wrestling Federation Championship. Bah pour Bret Hart, la seule ceinture qui lui sied bien. Bah les deux, mais bon surtout celle-là. Voilà, c'est celle-là. Donc la différence c'est qu'il y aura plus d'adversaires à affronter. La route va être plus longue. De toute façon, comme tu n'iras pas jusqu'au bout. Et là, deux adversaires. Voilà, deux contre un, chose qu'on n'a pas tout de suite dans le mode intercontinental. Là, je vais me battre contre deux adversaires directement. Donc là, vu que l'ordinateur contrôle, on va peut-être voir d'autres mouvements. Parce que c'est vrai que niveau mouvement, on n'a pas fait des masses. Là, Yokozuna qui a fait son slam habituel. Ah, par contre, Yokozuna est carrément mieux retranscrit. Hein. Voilà, là, on voit bien que voilà, s'il a sa corpulence originale. Vous voyez les coups qui partent, Yokozuna qui m'a lancé du sel, qui s'est servi de son saut à sel pour m'attaquer. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de mouvements possibles une fois qu'on sait les faire. C'est absolument pas mon cas. Et bon, voilà, je me défends quand même. Voilà. C'est de la science-fiction là. Ah, c'est de l'arcade. Ah, vous voyez, Razorback qui m'a chopé. Ah ouais, voilà, donc là c'est son combo là. Hein. Ouais, un de ses combos. Et donc là, bien sûr, il faut battre les deux adversaires. Là, Bret Hart est pris comme un vulgaire tapis. Ah,
J'ai réussi à l'attraper. Là j'en ai battu un, mais il reste. Oh là là. Là c'est. Oh le bonsaï. L'écrasement, le bonsaï drop. Donc premier tombé. Ouais. Donc voilà, ça reste vraiment très très fun. Même si je me suis fait un peu éclater la tête, ça reste quand même très fun à jouer. Et quand on l'a en main, c'est encore un peu plus fun. Donc c'est quand même assez dur quand on ne connaît pas. Eh oui, là c'est une correction là. Hein. Là c'est la boucherie, mais ils sont deux, ils sont deux. Okay. Bah ça aurait été assez expéditif. C'est expéditif, hein, voilà, donc la mimique à Razor Ramon. Ça c'est bien fait quand même. C'est oui, c'est bien fait, oui. Mais bon, voilà, on a vu la... Bon, on a fait le tour. Hein, de... Les principales trucs du jeu, principales options du jeu. Donc on va habituellement, je vais te laisser donner la note. Oh, je vais lui mettre un 11. Moi je serais monté à 12. À 12 bon, finalement on se. Ça on n'est pas très loin au niveau de parce notes, qu'on hein. avait mis 10 au précédent qui est quand même bien inférieur. Oui. Donc je pense qu'un 12. Bah disons que le jeu est assez beau, mais il y a quand même certaines choses qui sont assez gênantes. Hein. C'est. Bah faut aimer le style. C'est pas très réaliste, ouais. Mais voilà, faut aimer le style. Faut aimer le style arcade. Donc voilà, c'était la première partie de notre thématique sur les 8 bits et 16 bits. Voilà. Bon, bien sûr, il y avait d'autres jeux à mon avis qu'il y a sur, en jeu de catch, mais c'est, on voulait faire les jeux à licence pratiquement officielle. Donc, voilà, et puis on a eu quelques, on a eu deux jeux hors licence. Non officiels, voilà, qu'on avait joué. Mais sinon, voilà, ça reste WCW et WWF. Voilà, donc maintenant, prochaine partie, on s'attaquera donc... Aux 32 bits. Aux 32 bits et aux... Et aux 32 bits. Aux 32 bits. Bien. Tu m'as désarçonné avec tes 32. Donc voilà, sur ce, ça sonne la fin de notre première partie de notre thématique catch sur 8 bits et sur 16 bits. Donc voilà pour cette première partie. Donc on va vous laisser là. Je te remercie de cet accompagnement. C'est moi et donc, au plaisir. Donc dans pas longtemps finalement. Ouais, je pense que je posterai la partie 2 d'ici quelques semaines. Donc voilà, messieurs et dames, c'était un testeur spécial catch qui s'est terminé. Merci à vous et donc à la prochaine.